Bonjour, dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil sur les meilleures raquettes de tennis actuellement disponibles sur le marché. Nous avons passé 200 heures à rechercher et à évaluer les 20 meilleures raquettes à l'aide des tests et des critiques externes. Grâce à notre système de gestion de la qualité, certifié par le TUV, pour les procédures de test et de comparaison, nous sommes en mesure de vous présenter les meilleures raquettes de tennis dans ces catégories. La meilleure raquette de tennis pour les débutants, la meilleure raquette de tennis pour les enfants, la meilleure raquette de tennis pour les personnes âgées, la meilleure raquette de tennis pour les femmes et la meilleure raquette de tennis pour les joueurs avancés. Par conséquent, il est important pour nous de présenter la meilleure option pour chaque groupe cible afin qu'elle corresponde parfaitement à votre profil d'exigence. C'est parti ! La meilleure catégorie que nous vous présentons aujourd'hui concerne la meilleure raquette de tennis pour les débutants. Ici, nous avons été complètement conquis par la raquette Hyperhammer 2.3 Confort de Wilson. Elle coûte environ 90 euros et fait partie des raquettes que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, dans le segment des prix bas, vous pouvez commander cette raquette en 3 tailles de poignées différentes, ce qui rend la raquette individuellement meilleure dans la main et plus confortable. Le point d'équilibre est à 36 cm, avec plus de poids dans la tête de raquette. Cette raquette est indulgente en raison de sa grande surface de frappe et son poids plus léger pour un meilleur contrôle sur le court. De plus, la raquette est fabriquée en hypercarbon pour plus de puissance et d'effet. Et elle permet des coups précis depuis la ligne de fond de court ainsi que directement depuis le filet grâce à plus grande surface de frappe. La deuxième catégorie concerne les enfants. Il s'agit de la meilleure raquette de tennis pour enfants. Pour nous, il s'agit clairement de la raquette de tennis pour enfants au design Roger Federer de Wilson. Elle est disponible à partir de 30 euros, mais le prix peut varier en fonction de la taille de l'enfant. Elle convient aux enfants à partir de 3 ans et d'une taille allant jusqu'à 100 cm pour commencer à jouer au tennis. Il s'agit d'une raquette très équilibrée qui permet aux enfants de mieux apprendre à jouer au tennis. Avec la technologie quadriforme de Wilson, il y a également moins de vibrations lors des frappes et donc un meilleur contrôle de la raquette de tennis. Avec une zone de frappe idéale plus large, la balle est plus souvent frappée dans la zone idéale pour des coups plus puissants et plus de plaisir à jouer. Cette raquette est vraiment idéale pour les enfants. La troisième catégorie concerne la meilleure raquette de tennis pour les personnes âgées. Pour nous, cette place revient clairement à la O3 Legacy 110 de Prince. Cette raquette de tennis nous a convaincus comme étant une raquette avec un grand confort et une bonne maniabilité. La tête surdimensionnée de cette raquette offre une sensation douce mais puissante. Prince a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine car cette raquette dispose d'un nouveau système anti-couple pour plus de stabilité ainsi que la technologie O3 déjà éprouvée. Une construction sans faute qui élimine pratiquement les fortes vibrations. La O3 Legacy 110 dans un jeu en simple ou en double, car cette raquette qui est conviviale pour les bras est un vrai bonus. Son prix est d'environ 170 euros, ce qui en fait la raquette la plus chère que nous avons présentée ici. Passons maintenant à la quatrième catégorie qui concerne la meilleure raquette de tennis pour les femmes. Ici, c'est la Graphene 360+ Instinct Light The Head qui est clairement en tête. À environ 130 euros, le prix d'achat de cette raquette se situe dans la moyenne des raquettes de tennis que nous avons présentées. Avec cette raquette, vous avez une sensation plus indulgente et plus puissante, mais toujours assez de contrôle pour frapper près des lignes. En étant un peu plus lent que la normale, cette raquette fournit un peu plus de force sur les coups de fond et les services que les autres raquettes. La raquette offre l'effet et le potentiel nécessaires pour faire tomber la balle quand on le souhaite. La raquette a été mise à jour avec Graphene 360+, une technologie qui combine la stabilité et la puissance du Graphene 360 avec des fibres en spirale dans la partie inférieure de la tête de la raquette pour une sensation plus claire au contact de la balle. Notre dernière catégorie pour aujourd'hui est celle de la meilleure raquette de tennis avancée. Dans cette catégorie, c'est la Vicor Game de Yonex qui triomphe pour nous. Cette raquette se situe juste en dessous du prix le plus élevé de notre liste, avec 160 euros. Elle convient aux joueurs de niveau intermédiaire à la recherche d'une raquette légère et performante, mais elle est également fortement recommandée aux juniors montants. La raquette est dotée d'un graphite à module élevé pour une grande puissance derrière chaque coup. De plus, elle est équipée du nanomesh néo, un matériau durable à base de carbone qui rend le cadre encore plus flexible pour transférer plus d'énergie à la balle. Pour couronner le tout, cette raquette possède également une tête lourde équilibrée qui permet de garder la raquette stable et confortable au contact. Et la forme isométrique du tamis offre une zone de frappe idéale généreuse. Avec cette raquette, vous avez vraiment tout. Maniabilité, effet et puissance contrôlable, le tout dans un seul paquet.
Les voici donc, nos 5 meilleures raquettes de tennis. Si vous avez aimé la vidéo, nous apprécierons si vous levez le petit pouce bleu et si vous vous abonnez. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucune de nos autres vidéos. Vous pouvez consulter les produits sur Amazon en utilisant les liens dans la description. La plupart d'entre eux étaient en forte réduction au moment de la réalisation de la vidéo. Si vous voulez économiser, cela vaut la peine de vérifier rapidement et de voir les prix actuels. Nous sommes déjà impatients de vous accueillir à nouveau dans la vidéo prochaine.